Bonjour. Bon, vous avez reconnu, bon, c'est un morceau de classique, la lettre à Élise de Beethoven. Donc, nous allons voir, en fait, il y a trois phrases. Nous allons travailler ces trois phrases pour avoir ce petit extrait de la lettre à Élise Beethoven. Donc, la tablature va apparaître à ma place. Hop là, magie. Voilà. Je vais rapprocher un peu plus le manche de la caméra. Voilà. Donc c'est parti. Donc tablature, hein, la grosse corde de mi est tout en bas, la petite corde de mi est en haut. Alors on va démarrer. Je vous propose de commencer avec le petit doigt. Ça visera de faire un démanché. Donc comme ça on aura tous les doigts. Hein, la technique d'un doigt par case. Donc on démarre, corde de mi à vide. Quatrième case, corde de si. Encore corde de mi à vide. Quatrième case. Et là, du coup, on va pouvoir le faire avec l'annulaire. Troisième case, première case sur la corde de si, et deuxième case, corde de sol. On refait ceci, ça fait cela. Ok, avec l'annulaire, on va aller chercher, alors là, un petit sauté de corde, hein. La troisième case sur la corde de la. Après, avec le majeur, on va aller à la corde en dessous sur la corde de ré. Je vous propose de laisser votre doigt pour faire un petit barré, un tout petit barré pour atteindre la corde de sol, idem à la même case. Voilà, ça fait ceci. Voilà, corde de si à vide. On reprend avec le majeur, index. Corde de si à vide, index. Voilà, ça c'était votre première phrase. On réessaye un coup. Petit barré. Première case. Corde de si à vide. On attaque la phrase 2 qui ressemble un peu à la phrase 1 qui va légèrement différé à la fin. Voilà, alors c'est parti. Bon, même chose hein, que la première. Et voilà, première case, corde de si, à vide. Et on finit, deuxième case, sur la corde de sol. On fait la phrase 2. La phrase 3, on va dire que c'est un petit pont. C'est parti, on démarre sur la corde de si à vide. Troisième case, corde de mi à vide. Hop, corde de sol à vide. On redescend sur la corde de mi. Corde de mi à vide. Troisième case, corde de si. Rotation de sauter de corde sur la corde de ré. Corde de mi à vide. Corde de si. On revient sur la corde de si. Et nous finirons en fait avec la phrase 2. Hein. Je recommence la phrase 3 quand même. Le petit pont. C'est parti. Corde de sol à vide. On revient sur la corde de mi. Hop, le sauté de corde. On revient sur ressaut de la corde, on retombe sur la corde de mi. Voilà. Et nous finirons par la phrase 2 pour la fin. Vous pouvez terminer sur la corde de la à vide. Voilà. Donc, pas si facile que ça, parce qu'il y a beaucoup de sautés de cordes en fait hein, sur le manche. Donc voilà, bah, prenez votre temps, travaillez là, apprenez-la par cœur, hein, et puis ça va aller. Voilà. Donc c'est fini pour ce cours. Je vous dis à très bientôt.